Celui qu'Anser, en venant l'une vers l'autre, Garonne ou Dordogne. Lequel c'est ? On nomme entre
Par-dessus le fleuve jaunâtre, la bande dorée du vignoble grave, déjà mêlée à la forêt d'Andes. Passeur en titre, le vieux Gérard Hameau, car depuis l'accident qui l'avait fait perdre la jambe gauche, bien forcé de transmettre sa charge à son unique fils José. Un beau garçon, passait, qui pêchait, tantôt là, tantôt là. La cloche d'appel ne résonne guère plus que 5 à 6 fois par jour. Alors, dans l'intervalle, Jos s'occupait entre les deux berges à prendre, selon la saison, mules, alauzes et autres bêtes nageantes qui font leur séjour dans la Garonne océane. Alors, il y a des cages de légumes, surtout ceux qui ont des marques, ah oui. Des marques, des couleurs, des logos. Votre regard est attiré aussi par les ouvertures et ça a pour effet de fragmenter le paysage. Ça fait un peu office de kaléidoscope. C'est intéressant aussi avec l'alignement des piquets de vignes, finalement, c'est pas mal. Il y a plusieurs possibilités, le ciel est fragmenté, la végétation est fragmentée, donc c'est une multitude de petits points de vue. Là, pour les fruits et légumes, ça s'adaptait particulièrement bien aux vergers, donc pour l'explication que vous a donné Jacques, j'ai dû me déplacer ici, mais bon, finalement c'est pas plus mal avec les vignes, puisqu'après tout les raisins on les met aussi dans les cajots. Et puis je viens de réaliser aussi que c'était intéressant de l'avoir
vis-à-vis avec la yourte, ouais. La yourte, là vous avez deux architectures qui sont complètement à l'opposé. Vous avez une yourte très baroque, très, très colorée. Ouais. Il y avait des matériaux périssables finalement aussi. Aussi. Parce que là, je ne sais pas ce que cela va donner dans 3 mois. Hein. Je suis sûr que les couleurs vont changer. Est-ce que ça va résister à des coups de vent, à la pluie? C'est le mystère. Là aussi, là, on va évoluer avec le temps. Oh, puis c'est des structures qui sont... Là, on est au Grand Parc et là-bas, on est plutôt... Oui, d'accord. Voilà. Son côté, languide, est-ce des mi-mensonges, ce que rapporte une pure vérité? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que bientôt, la lumineuse voix sembla par temps devenir voix humaine. Yeah.
pour l'instant de voir toujours le sol, soudain, distant, distant. Couronne, le roi Garon. Pour mettre à l'aise Armagnac et Tursan, arc sont mis des monts à l'océan. Mille fraises en reflet de mercure viennent s'y prendre après tours et détours. Sa tour.